11 ans après l'installation du tramway, 8 ans après la création du métro, la révolution des transports continue à la Blancarde. Cette fois-ci, c'est la gare ferroviaire qui va évoluer. Les travaux sont prévus dans le cadre de la mise en accessibilité des gares. Alors, les travaux consistent à rehausser les quais, à réhabiliter les abris, à rénover l'éclairage et à installer 3 ascenseurs pour permettre l'accès aux passages souterrains. Des travaux à hauteur de 5,15 millions d'euros, rendus possibles grâce à différents financements publics. Alors, c'est la région qui prend la plus grande charge des travaux avec 58,8%, SNCF Réseau qui prend en charge 29,4% et l'État qui prend en charge 11,8%. Les travaux qui ont débuté le 27 février devraient durer jusqu'au 22 décembre 2018. Pour autant, la gare continuera de fonctionner, à la seule différence que les quais seront réduits de moitié.